Bonjour à tous, ici Yanamu et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Doubesque. Donc je me suis fail, je me suis un peu fail, hein, voilà. J'ai oublié de charger la gazette, j'étais persuadé d'avoir chargé ce navigateur, mais avant de tourner je l'ai fermé, donc je peux plus revenir dessus, c'est bien dommage. Et voilà, donc ben, vous aurez juste ma page de camping ce soir, avec Choc Bonhomme bien entendu. Au niveau des morts, ça doit être sur BBH. Je sais même pas si j'ai accès à BBH. Non, j'ai pas accès à BBH. Oh. Ouais. Bon, ben voilà, je me suis fail. Bon, ce sont les choses qui arrivent. Donc, vous pouvez voir qu'on est en camping toujours avec Choc Bonhomme, toujours en chance correcte. On est jour 33. Si ma mémoire est bonne. Ah oui, jour 33, c'est marqué là-haut. Donc, ben, pour ce 32e épisode de la Noubesque, je me suis complètement fail. Mais qui complètement là, c'est du complètement. Donc, ben, pour me faire pardonner, et en attendant minuit 47, ben, on va faire du zombie vs plante. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord? Ah là, vous avez vu Origine chargée, tout ça, hein? Ah là, 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 moi je dis, hein? Ah là, hein? Ouais, je suis sérieux, hein, on va vraiment faire à l'affiche aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche aujourd'hui sur Origin? Titan Fall, le prix en baisse. La pierre voir. Voilà. Moi, je dis un petit peu de plante vs zombie pour se faire pardonner, ça mange pas de pain, voilà. Il est là, le mec. Papapapa. Oh, la tête de zombie qui sort. Allez, on est parti, vous voyez, j'ai pas évolué depuis la dernière fois. Défendez votre jardin. Alors oui, on avait récolté aussi ces plantes-là. Ça souffle le brouillard également. Donc on va commencer par un combo classique. On a besoin de ça, de ça, de ça. De ça qui est super efficace. Ça. Les trucs gratuits, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il y en a un là. Il y en a un là. Du coup, si on souffle... Ouais, mais le souffle-là, en fait, c'est usage unique. Donc on va quand même l'essayer, mais je suis pas sûr de le conserver pour les prochaines fois, hein, toute franchise. Et on va prendre un qui tire un peu plus fort. Celui-là il est super, mais bon voilà quoi. Les orties c'est pas la peine. Ça j'ai vu qu'il tire également sur les normaux, donc on va partir là-dessus. Allez, et c'est parti. Hein? Planté. J'aime bien les musiques du jeu, etc. Je trouve ça fun perso. Vraiment, je m'en fous d'où il est en fait. Avec de la chance, il sera sur la quatrième, bien entendu. Hein? Ah non, il est là. J'adore les zombies. Comment ils parlent, etc. Je trouve ça trop fort. Allez, les petits soleils là. Hop, hop, hop. Ah, il est pas tombé loin celui-là, hein. Faudrait que je fasse gaffe quand même. C'est normal. Ben, j'espère du moins. J'ai vu un con arriver là-haut là. Tac 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 tac. On va essayer d'économiser pour en avoir un comme ça là. Brains.
Mes champignons poussent, c'est cool. Voilà. J'en ai un comme ça. Maintenant, il faut juste que je m'équipe un peu plus. Ouais, je sais, c'est... Hop là, vous voyez, lui il tire également de façon normale, ça qui est intéressant en fait avec cela. Pour l'instant, je vois aucun ballon arriver. Je vais essayer de garder toujours sans soleil de côté pour au cas où. Première des deux vagues qui est ici. Oh! Merde, il y a un ballon qui arrive juste en bas là. Oh, c'est bien en fait les... C'est drôlement bien ces trucs là, ça souffle tout le brouillard d'un coup, j'ai plus besoin de lumière ni rien. Oh, c'est vachement bien ça. Ouais. Oh ouais, ah mais ça revient quand même. Hein. Mais bon, pour les grosses vagues de zombies, c'est à conserver quand même. Oh mince! Crever celui-là, ouais. Oh, ils sont chiants, eux. Ah, ils cassent les couilles, hein. Va des rétro toi, merci. Non mais... J'attends en fait la prochaine grosse vague de zombies pour... Il y a un ballon, je sais... Ah bah tiens, pof. Lui directement il s'en est occupé, j'adore ça. Ouais, lui il se couche parce qu'il y a lui à côté là, mais. Voilà quoi. Un petit truc là, énorme vague de zombies qui arrive. Voilà. Oh, le sac. Ah, le sac. Ah les sacs. Vite.
En fait, ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est remplacer la noix ici, hein, je vous le dis, et la noix là. Là, je suis dans la mouise, là. Watcha! J'ai réussi à remettre une noix, mais alors en bas là il va mourir, c'est bon. Mais là c'est ici là ça me pose souci ça. De toute façon après ça j'ai plus d'équipement moi, je peux plus rien faire hein. Un à moins. Allez, on a gagné! Et voilà un nouveau niveau de Plant vs Zombie qui est plié. Qu'allez-vous faire de ce délicieux cacao? De ce délicieux tacos, pardon, c'est un taco. Mon taco magique. Je sais pas. Oh. Hmm. Ah, c'est bien foutu ça. Hein. Mais moi, je vais économiser pour ça là. What? LOL. LOL. Voilà. Voilà. Ah, on n'est jamais trop prudent. Il est génial ce jeu-là. J'aime bien. Boum! LOL. Oh la bonne série là. Hop, ils repartent tous là parce qu'ils sont tous... ouais ouais. Ah, elle est sympa cette partie du jeu, tiens, je connaissais pas. Là, j'avoue, je connaissais pas, tiens. Ah, oh, il est génial ce truc. Ouais, ça, c'est le zombie danseur avec les 4 gogo danseurs à côté, je trouve ça génial aussi. Logiquement, il y a une musique hein, avec. Hein. Vu qu'il est congelé, lui, il va aller plus lentement. Ah, le saut commence à péter. Ah, c'est énorme, je connaissais pas cette version là, je me demande jusqu'où ça va comme ça. Bon, on va le faire ensemble, niveau 4-5, hein, voilà. Hein. Ah, ça y est, il a plus le saut, il va tomber comme une mouche maintenant. Pop, un bras. C'est quoi ça?
Vers l'avant et l'arrière. Oh, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont arriver par l'arrière ou bien? C'est quoi ça? Zombie mineur. Pas encore rencontré. Et donc on a débloqué le double poil. Et on va voir un petit peu à l'almanach. Dégâts normaux. D'accord. Bon bah écoutez les gens. Hein. Oui mon téléphone, je sais. Allez, on va aller voir un petit peu la horde en direct. Il est minuit 54, je me suis un petit peu étalé. Il survécu! Et on a un seul mort, c'est Cracky, jour 34. On va aller voir un petit peu la Big Brother Horde. Pourquoi je suis en soif? Oh, j'ai dû faire le con quelque part. Bref, c'est pas grave. Alors, voyons voir ça, les citoyens. Donc, il reste 9 personnes en vie. Hier, nous avons eu 5 morts, je sais, de source sûre. Alors, où est-ce que je peux le voir? Rien à afficher. Où est-ce que je peux voir les pseudos des gens qui restent? Vous le savez, vous? Je suis même pas sûr qu'on puisse, en fait. Il n'y a plus OEV, c'est dommage ça. J'aimais tellement OEV. Tiens, sur la motion de cette liste, peut-être qu'on va pouvoir le voir. Qui c'est qui reste en vie là? Ça serait sympa de savoir. Un tout petit peu, hein, je dis bien. Hein. Ouais, on a donc Choc Bonhomme, Kira, Leshwan, Maktar 2, Neji, Feles et Vercus en vie là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, avec moi ça fait 9. 6. Voilà, ici on a les 9 en fait. Shogunam, Kira, Leshwan, Matkash, Maktar, Neji Springfield, Feles, Vercus et moi-même. Voilà, il ne reste donc plus que 9 personnes en vie. Vous avez les noms des 9 derniers qui font traîner. Nous sommes quand même jour 34. Donc on passe le 34e jour, ce qui veut dire que demain il n'y aura pas de gazette. Parce que ça sert à rien de vous en faire deux sur le même thème. Hein, voilà. J'ai des messages. Et puis voilà les gens, hein, c'est un épisode un petit peu spécial avec du zombie, du plan de veste zombie. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Hein. Ouais. Ah, on va fouiller le vieil hôpital de campagne ensemble en un produit pharmaceutique. Tiens, on va les assembler les deux là. Oh oui! Oh, c'est épique! C'est épique! Ouais, c'est cool. Bon bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce vert en commentaire, un pouce pas vert, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et sur cette belle Twinweed, eh ben je vous dis à très prochainement les gens. Allez, ciao ciao!